صباح الخير عليكم في القناة فينكم. السلام عليكم في القناة فينكم تي في. اليوم عندنا دو دوسي اللي هما مهمين عندي أنايا، هو دوسي ديال لوفي ديال لوفيسي روغروم فاميليال، وعندنا دوسي ديال لازيل بوليتيك. دونك كتعرفوا دو دوسي ديفيرون. ان شاء الله هاد لي دوسي باش نعطيكم غير واحد النصيحة. بعض الناس اللي كيموتيو لي دوسي دوفي سوني باسان، راه سي تري كومبليكي. وما تنساوش لنا ماشي غادي ندير الدوسي اليوم، جو افوار اون ريبونس دون 2 3 4 mois. سا سي لو كونترير. سافي لو دوسي دو لوفي سا برون ان ان اون جوسكا ان اون ويني ريان كو في لوفيس دون كريتاي لو سيرفيس كونسيرني. اون فوا اكسبتي تمشي للبريفكتور. Préfecture, 10 fois ça prend un an et demi, parce que bon, c'est la préfecture qui prend plus de temps. C'est pas, je vais te dire, mais si c'est très compliqué parce que ils préfèrent des fois certains dossiers et ça se perd. Voilà, mais il faut laisser toujours les traces, hein, les couper, tout ça, c'est important. Un demande de l'office, on a dit comme deux modèles, l'office d'immigration. كاين اللي كيبغي يجيب المرا ديالو، وكاين المرا اللي كتبغي تجيب الراجل ديالها، كتجيبها من البلاد دو ريزيدونس. اون فوا كي تعطل هاد الدوسي دوزون اي دمي تخوازون، دي فوا لو كوبل ما تيبقاش اونسون، سوا لان دي دو كيتقلق تيقولك وي تي بو با مامني ما بغيتينيش تجوج فيا بو غيان. دونك سا سي كومبليك ان تي بو. عندي دي دوسي اللي هما خلقوا مشاكل بعض العائلات، كيف تيوقع داك الشقاق يعني داك الزواج ما تيبقاش. دونك سا سي اون بير دو طون بور سيغتان. ولوفي لا ما عندكش ان دوسي كومبلي دي الديبي، ان تري بون سالير، ان ابارتمون، ان ترافاي، كونترا سي دي، ما تعاودش تجيب مراتك او ما تعاودش تجيب راجلك، ما تعاودش تجيب راجلك من البلاد. دونك هذا سي علاش نقول لكم خصكم تمونتيو الدوسي سوانيزمون مزيان وبشويه، كاردي لي بروف، راه سي امبورتون. Ou un peu de patience, ça va faire comme ça, c'est un chouf. Ce dossier a été monté, ça fait pratiquement un an et demi. Et Allah, tous n'a pas la réponse, comme quoi il manque des documents. Or, quand les documents sont en ligne, c'est fait exprès. Ça, c'est l'administration. Là, je pense qu'il y a trop de monde, il y a moins de salariés qui gèrent ce genre de dossier. Et d'abord, le mouchkel, il y a l'administration française, lui-même. Donc, il nous demande les mêmes documents qu'on a déjà fournis. Après, voilà, combien il demande, combien 17. Tous les documents, il faut que ça soit traduit par un notaire. Et après, bon, la composition de la famille, tout ça. Donc, ça, c'est un dossier qui a été fait. Ça, c'est un dossier, deuxième dossier. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. On va faire la demande aujourd'hui, Inch'Allah, pour la personne. Il va faire venir sa femme. Donc, il a un très bon dossier. Il n'y a rien à dire sur ça. Deuxièmement, l'asile politique. Katafo, l'asile politique, c'est pas n'importe qui va demander encore ce genre de demande. Ou de la demande, souvent, des fois qu'une certaine personne, Mathieu Comédiro, mais a les moyens pour qu'il puisse avoir une carte, un titre de séjour, qui gère dans le pays concerné, ou qui trouve l'asile politique. Parce que, qui sera pour l'assaut à l'état de l'asile politique ou donc je vais essayer parce que dès le matin à peine 9h-4 qui brille la demande dialogue de l'asile politique qui sera pour l'assaut à l'état de l'asile politique. Alors qu'on s'en fait c'est pas comme ça. Ou d'autres personnes ils demandent, on a le droit de demander l'asile politique même dans le pays de résidence par exemple, mais par exemple, on a fait comme un attaque maintenant au Maghreb, ou quand tu vas au consulat, de France au Maghreb. Voilà, qu'il faut avoir des preuves, parce que sinon, t'es foutu. Après, la demande a dit, ça prend encore plus de temps. D'autres personnes demandent l'asile politique, mais une fois quand ils viennent à l'aéroport ici, la demande, ça prend 20 jours. Mais il faut qu'il y ait quand même des preuves très tangibles, sinon. Ou maintenant, sur Chartier, souvent, il y a des gens qui ont fait France parce que la France a un problème avec le monde entier. Le problème de la loi, soi-disant, le droit de l'homme, le droit de la liberté, le droit d'expression, tout ça. Mais une fois quand tu demandes ça,
c'est foutu. À de l'asile politique, souvent les Africains ils la demandent. Ou qu'il y a une manière, les oulettes, je dis d'un, un des certains dossiers qui mais qui j'ai le papa ou la maman qui prête l'asile politique, l'autorité française m'a dit ouais, parce que avec la personne, mais les preuves qui nécessite d'avoir une réponse favorable. Est-ce qu'il dit que tu vois la tariq les oulettes? Un de une fille, tu voulais que. Ma fille elle est menacée par les grands-parents au pays. Ma fille, et voilà, comme tu vois le plus vite possible, comme tu vois un cousin ou une cousine, madame. Donc, c'est les demandes dans lesquelles il faut éviter. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Malgré que plein de détails parce que ça reste un peu confidentiel. Et si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Chacun a un avis canadien à l'IFINCOM TV. Ou si vous avez des commentaires, vous pouvez nous dire que vous avez des commentaires. Je vous remercie. D'abord de te voir. Merci. Parce que après l'examen, je ne t'ai pas vu pendant un certain temps. Oui, et pourquoi tu es venu le voir aussi? Oui, exactement. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai été avec vous pendant 6 mois. On a travaillé ensemble. Vu la situation sanitaire, on a pu débloquer plusieurs dossiers concernant la préfecture et ainsi de suite. Et on a pu accueillir plusieurs personnes dans différents domaines en fonction de leurs divers besoins. Donc cette année, après avoir validé ma licence, cette année, donc tu as validé ta licence et là tu es au master. Oui, je suis en master. Combien de temps? Je suis en master 1 pour 2 ans. 2 ans encore? Oui, je ne vais pas supporter 2 ans, mon cher ami. C'est trop long pour moi, 2 ans. Ouais, j'ai oublié de prendre un autre. Ouais. Du coup, cette année, je fais le master. Tu as un stage de combien, là? 6 mois. Donc, je vais te supporter 6 mois. Ouais. Donc, je fais master en politique publique, parcours santé publique et risques environnementaux. Donc, ces trois facteurs que j'ai cumulés. Ouais. Tantôt, je peux rester au niveau de la politique. C'est très tantôt, je peux rester au niveau de la santé. Tantôt, je peux rester au niveau de la vie. Bah, t'en as fait, hein? Donc, absolument. Donc, en plus aussi, je suis très, très content de vous revoir aujourd'hui. Je pense que ici, c'est notre maison. Et voilà. Ok. Bah, écoute, je te souhaite la bienvenue. D'accord. Et j'espère qu'on a du boulot. Ouais. Ça, c'est sûr, certain. On a du boulot, on a du travail. J'ai pas mal du travail divers, comme vous avez vu. Il y a de pire que la dernière fois. Exactement. Et cette fois encore, on a repris encore plus les demandeurs de titre de séjour. Première demande de titre de séjour, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, je vais t'apprendre comment faire. Exactement.